Et salut à tous et à toutes, c'est Connaître pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 je crois de notre let's play sur mettons la slide Redux. Je suis un petit peu haut, on va descendre un tout petit peu, voilà. Là je suis un petit peu bas. Enfin bref, j'inverse les trucs mais c'est pas grave. Donc toujours la manette. On se retrouve aujourd'hui, donc on était en train de chercher Pavel. J'ai descendu aussi un petit peu le son du jeu normalement pour l'enregistrement. Parce que je sais qu'il était assez fort. Non, c'est celui-ci. Il faut que j'aille par là. Et qu'est-ce qu'il y a par là-haut? Je vais essayer d'y aller discret. Ah d'accord, c'est là où je suis arrivé en fait, je suis arrivé d'ici. Là j'ai juste pris un petit tuyau mais bref, j'aurais pu passer par ici. Ok très bien. Alors du coup... Faut que j'y aille discrètement. Il y a 3-4 mecs je crois. Comment je passe? Sans faire des fusions de sang. Enfin si c'est possible. Voilà. Je suis visible. À cause de cette lumière là, je pourrais tirer dedans pour... Ouais, je pourrais essayer de tirer dedans peut-être pour essayer de l'éteindre. Voilà. Ils ont pas remarqué, de toute façon j'ai un silencieux. Ça peut aider. Est-ce qu'il faut que je descende ou que je traverse? Faudrait que je traverse. Et là j'ai l'impression que je pourrais peut-être descendre. On va éteindre la lumière déjà. Ce qui pourrait peut-être m'aider à passer sans... sans tuerie. Est-ce que tu vas regarder? Il paraît qu'il va être pendu. J'ai assez vu d'exécutions comme ça. Mais je devrais y emmener mon fils. Oh oh. Je crois que j'ai fait un peu de bruit. Je vais choper la crève. Malchance, je vais choper la crève. Ouais, malchance, tu vas peut-être mourir même. Je parierais qu'un truc intelligent aurait été sélectionné pour l'infanterie. Il va falloir que je remonte ici en fait. Ici, je peux pas passer plus loin. Mince. Bon, ouais, je vais devoir tuer les gens. Ça me plaît pas trop ça. Est-ce que je retourne en arrière pour les tuer là? Parce que si j'arrive ici, je vais arriver en plein milieu d'eux. Je peux tirer à travers, j'espère. Hey, qui est là? Ouais. Attention, les rouges arrivent! Si je sors ici, je vais être grillé direct. Quoique si je casse cette lampe, je vais peut-être être dans le noir. Ouais, pas sûr. Je suis grillé là, non? Ils m'ont pas eu. Je pense que je vais faire tourner depuis le début. J'ai pu looter le mec d'en dessous, c'est pas grave. Parce que au moins d'ici, j'ai peut-être une meilleure vue. Ah, j'ai mes couteaux de lancer aussi, je crois. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai des couteaux de lancer, j'ai aussi des grenades. Je sais plus comment lancer mes couteaux de lancer, mince. Je crois que c'est... Je sais pas si je pourrais tirer d'aussi loin. Attends, je vais essayer. Voilà.
je suis dans le noir, donc putain, j'ai rien. Il faut que je fasse des tirs à la tête pour tuer plus facilement. J'utilise toutes mes balles, mais je crois que c'est plutôt efficace. Excusez-moi les mecs, hein. Fallait pas être là. On encaisse des tirs. Attention. Oh, oh, il y a un mec là. Plutôt proche. Attendez. Viens là, toi. Aïe. Mince. Je sais pas s'ils savent que je... Vous savez baisser les yeux. Apparemment non. Si vous voulez, on fait une trêve, je sais pas. Moi je veux bien, il y a un mec là-bas. Je dois gaspiller vachement de balles, mais... Est-ce qu'il y a encore âmes qui vivent? Pas. Au pire, on va faire ça pour être sûr. Hop. Et là-bas, je sais pas si je peux atteindre la lumière d'ici. Voyons voir mes qualités de sniper. Yeah. On va looter. Ah, lui, j'ai déjà looté, je l'avais tué en premier. Pas le premier, le deuxième peut-être. Hop. Je deviens riche. Plutôt vers le fond, d'accord. Mais ici, il y a quoi? Une porte fermée, je pense que c'est là où ça... C'est là où arrivait la porte fermée tout à l'heure. Ici. Ah. Des munitions, pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Ah, il y a encore un mec là-bas. Deux. Ok, il m'a vu. Le premier était pas très méfiant, le deuxième a l'air d'être plus... En même temps, je viens de buter son pote sur, devant lui, donc... T'es où? Ok, t'es là-bas. Tu viens à distance, moyen. À côté, désolé. Ok. Désolé, je vais rajouter souffrance. Voilà. Y a-t-il encore un mec? Je pense pas, mais faut que je... En fait, faudrait que je... casse les lumières avant de y aller, comme ça je suis sûr d'être dans le noir, ils me verront pas. Oh, ils gâchent mes balles. Ou faire ça. Ça, j'éteins les lumières. Ça, c'est quoi? Oh, je crois que le X, c'est ok, c'est pour ça. Ah. Faut que j'aille ici. Du coup, faut que je monte. C'est une radio. Je me rends, je me rends. Ok, ok, ok. Je vais poser mon arme et sortir maintenant. Tirez pas. Ok. Là, il y a des gens. Je vais prendre ça. Du coup, on va l'assommer. Juste pour être sûr. T'inquiète pas, mec, je t'ai juste assommé. Tu vas t'en sortir. On active.
On a ouvert la porte. D'accord, c'est cette radio-là qui fait du bruit. Je suis pas très rassuré de... Je suppose que ça s'est fermé. Ça y a un mec bourré, je crois. Un mec. Reprends-toi, mon gars. Ok, une exécution publique, bah c'est celle de Pape. Ouch. Medipack. Faudrait que c'est eux qui m'ont ciblé ou c'était pas fait exprès? Non, c'est pas fait exprès. Ok. C'est un peu pourri ici chez vous, hein. En même temps, vous allez me dire, c'est un peu pourri partout dans le métro, mais... Hey, yeah, mon arme. Enfin, mon ombre. Ah merde, ils vont le pendre. Arrête de les insulter, faut juste que je puisse t'aider là. Faut que je tire sur la corde, je pense. Je peux t'aider ou pas? C'est bon. Désolé, t'as dû... Tu dois pas être vraiment bien dans tes esprits là. Par contre, tu me laisseras looter les deux mecs, s'il te plaît? Non, 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 laisse-moi looter les deux mecs. Je peux pas, d'accord. Munition avec celui-ci, j'aurais dû faire attention. Ouch. Allez, je l'ai aidé, il m'aide, c'est normal. J'ai dit, alors il aurait pu se barrer sans moi, mais voilà, c'était juste. Bon, on l'a sauvé, une bonne chose de faite. À travers les ténèbres, j'ai sauvé Pavel de la pendaison. Il dit qu'il m'amènera aussi près de police que possible. Ensuite, je contacterai l'ordre pour les informer de tout ce qui s'est passé. Le chemin vers le célèbre théâtre se trouve dans les catacombes. Je n'y ai jamais mis les pieds et sans mon nouvel ami, je serais sûrement complètement perdu. J'espère qu'il connaît son chemin. J'espère aussi. Wow, c'est du beau travail, Artyom. Comme les trois mousquetaires, hein. Enfin, s'ils étaient deux. T'as déjà lu ce livre? Il est complexe, mais je l'ai adoré. Ton humour. J'ai toujours voulu être Athos. Toi, tu peux être D'Artagnan, d'accord? Allez, on n'a pas le temps. J'ai plus ensuite, beaucoup de munitions. Ça, j'en ai beaucoup, j'en ai 119. Là, faut se demander comment je peux en avoir 119 sur moi. Mais... Alors voilà. Typiquement, allez. Il marche légèrement. Enfin, il court plus vite que moi quand je marche, légèrement. Et quand je cours, par contre, je le rattrape trop facilement. Pourquoi tu as dit merde? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était... Non, c'était pas ça. Ah, là, c'est ça. J'ai une lumière, non? Ouais, j'ai une lumière. Oh, j'aime pas ça. Stop! Merde! C'est pour ça que les fachos ont des lumières. Ces trucs n'aiment pas ça. D'accord, Spartiate. Leçon rapide. Les balles ne servent à rien. Mais s'ils craignent la lumière, alors on va leur en donner. D'accord? Ok, les balles ne servent à rien. Bon bah du coup je vais quand même prendre celui-ci. Et on va allumer ça. Parce que... Oh, je déteste les araignées. Voilà, on crame l'étoile. Parce que je ne gêne pas les araignées. Ah, on dirait qu'ils ont fait sauter le tunnel. Il y a peut-être un truc de l'autre côté que les balles n'arrêtent pas. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Un courant d'air. On doit pouvoir traverser. Ah oui, on voit l'air qui rentre. Ah, par contre, aide-moi avec ça. Ok. Je veux bien, moi. X.
appuie rapidement sur X. Oh, ok, c'était juste. Imagine ça se retombe dessus sur le pied, quoi. Merde, il y a des toiles partout. Je n'aime pas les toiles. Ah, les bruits, quoi. Artyom, attention de pas les réveiller. Ouais, merci. Merde, ils sont pas loin. Attends, Artyom, doucement. Oui, oui, j'y vais doucement. Hein. Ça me paraît bon. T'es mis en équipement pour utiliser votre chargeur. Mon chargeur de quoi? Un puits. Ouais, c'est bon, j'utilise déjà mon... Oui, d'accord, okay. Putain, vache. Espérons que le monde charge fonctionne bien. J'espère aussi. C'est moi qui dois l'activer ou c'est toi? Active. J'aime pas. Heureusement, on n'a pas croisé d'araignée encore, heureusement. Enfin, de vraiment. En tant qu'adversaire, quoi. Allons faire un tour avec ça, d'accord? On t'appuie sur le bouton, peut-être? Bon, on va. Oh, je suis pas rassuré. C'est un vieux truc tout miteux, tout pourri. Bordel, pourquoi il s'arrête? Ouais, je suis pas rassuré du tout là. Oh, je sens tellement que ça va me tomber sur la gueule. Le chanteur est mort ou quoi? C'est galère, peut-être c'est toutes les toiles qu'il y a autour. Vous entendez? Bon, on est en plein dans leur ligne. Ouais, merci de le rappeler. Oh, ça grouille sur les côtés. Alors, vous entendez? Oh putain. Là, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais, mon gars? C'est son seul point faible. L'armure supérieure est trop solide. Bon, Artyom. Ah, j'aime si pas ça. Si on rencontre un de ces machins, allume ta lampe jusqu'à ce qu'ils se mettent sur le dos. Compris? C'est mais j'ai ma lampe d'allumer. Ah, d'accord, faut que je les éclaire en fait avec ma lampe. Sinon, tu peux ranger le. Range. Voilà, merci. Faut que je les éclaire avec ma lampe parce qu'ils se retournent en fait. Artyom, la lumière! Rame-la, merde! Oh putain. Tiens, prends ça, sacré. Et y a un système de piles. Merci mon vieux. Pour la lumière. Pour tous, hein. Attendez. Mince. Non. Ça. C'est ça. Le fond, on m'en a parlé. Oh, c'est ça. Non, ça sert à être un genre de disjoncteur. Oh mon dieu, ça se suit, hein, tu sais. Dégueulasse. Ah non, non, non. Toile. Cramée. Putain. Ouh. C'est haut. Non, ça va. Mais je fais ça avec un flingue dans une main et le briquet dans l'autre. Oh putain. Là c'est plus haut déjà. Merde! Encore elle! Retiens-les, Artyom! Je vais nous faire passer! Super! Ça devrait marcher! Allez, allez, retends-toi, salpette, retends-toi. Artyom! Je sais pas ce qu'on fait, mais. Ok, on a enlevé un genre de panneau. Enfin, un genre de barre de fer. Lol, tu veux faire du balancier? Oh putain de sa mère. Je peux pas arriver à faire ça, moi. Comme moi. LOL.
Dans la voiture. Il y a encore des bestioles. Dès que tu vois des morts, tu plombes. Ouais, merci, je plombe, évidemment. Ok, elles aiment vraiment pas la lumière en fait, donc limite je peux juste les éblouir. Allez, je vais t'aider. Oui, gentil, n'empêche pas Velle. Merde. Artyom, aide-moi. Putain, il nous a sauvé, putain. Homme de fou, moi je l'ai sauvé et lui il m'a sauvé. Plus vite, allez, plus vite, allez. Oh, attends. Tu permets? Je vais juste lire la note. J'ai loupé des notes, je crois. Bon, c'est pas grave. Les tunnels et les stations du métro ne sont qu'une partie des projets de construction souterraine datant des longues années de l'histoire de Moscou. Oui, ce qu'on a fait, on est à Moscou, je sais pas si je vous l'ai dit. Les ducs construisaient des passages secrets et des cachettes. Les tsars faisaient des catacombes et des reliquaires. Et même alors, il y a des siècles, ils tombaient parfois sur d'anciens passages créés il y a des temps immémoriaux, peut-être même par des non-humains. Des grottes, des rivières souterraines. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a autour des stations de métro. Au-dessus ou en dessous. Il n'y a pas de carte. Les cartographes ne sont jamais revenus et leurs expéditions et ces étranges créatures de cauchemar qui habitent les catacombes sont-elles vraiment les fruits des radiations? Ont-elles toujours vécu là-bas? Peut-être qu'elles évitaient les hommes et qu'aujourd'hui, voyant que notre fin est proche, que nous ne sommes plus les maîtres de la terre, elles ont repris confiance et nous approchent peu à peu pour nous attaquer et nous dévorer tant qu'on est encore chaud. Très gai. Ouais, attends, laisse-moi juste le temps de brûler tout ça. Oh là là, je déteste. Sa bestiole. Ouais, on y va. Oh putain. C'est un casse-cou, hein, Pavel. Est-ce que ça va, Tiens ? Ouais, ça va. Allez, on y va. Ah, là, tu cours à ma vitesse de course. Là, allons-y. Alors, ça vous plaît, hein? Vous en pensez quoi, sale fumier? Wow. Bon, on va attendre qu'il finisse de parler, puis on va cesser pour aujourd'hui, je pense. Ou quoique, 22 minutes, allez, on continue un tout petit peu. Je peux te looter? Attends un peu, Artyom. C'est dangereux sans lumière. Laisse-moi fabriquer une torche. Et c'était comment la torche? Lumière! Oh oh! Et moi, je peux avoir une torche? C'est bon, on y va! Oh non, sale bestiole. Moi, j'allume quand même mon truc, hein, tu m'en voudras pas. Ok, c'est bien, ils crament les trucs pour nous. Ah, oh, je trouve ça dégueulasse. Ah, brûlé. Merde. Artyom, reste près de moi. Ouais, t'éloigne pas plutôt. Oh putain. Je savais qu'il y avait des araignées. Je me souvenais plus comment, mais je me souviens qu'il y en avait. Ça te plaît, saloperie? Et les insulte pas, toi. Putain. Je te répète. J'ai envie de me retourner parce que j'ai peur qu'il s'éloigne sans moi, en fait. Bon, pour l'instant, heureusement qu'on t'a trouvé, Pavel, hein, parce que je serais pas très rassuré tout seul. Avec toutes ces bestioles. Putain, elles les rongent jusqu'aux os, quoi. Non, mais jette pas ça. On dirait une serrure électrique. Ah, d'accord, tu la laisses là. Bon, les câbles vont. Et voilà. Ah, par là. Eh, regarde, D'Artagnan. Il y a de la lumière. Si tu suis les câbles, tu devrais trouver une boîte à fusibles. Ça devrait ouvrir la porte. Mais la batterie est sûrement morte. Quand tu la trouveras, attache-y ton chargeur et on tentera d'ouvrir la porte, compris? Ok, bah c'est sur ça qu'on va se laisser aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi. T'en fais pas pour moi. Pour la suite. Je suis à tous. Allez. Ciao. La 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 la